Encore une fois, n'a pas demandé chaque grand monde qui a tendu une cap garden là. Fais-le avec tout cœur. Quitte un petit mot d'encouragement avec tout compatriote haïtien qui vivent dans la ville Wanamet. Quitte un petit mot d'encouragement pour chaque grand agent BESAP qui déjà a concerté entre eux pour yo accompagner citoyens dans la ville Wanamet qui prend initiative pour que yo campé red pour que frontière Wanamet là sous contrôle population. Bravo avec toute autorité dans Wanamet, toute autorité dans Wanamet qui décide yo même yo di yo pap tan l'ordre nan men nèg Port-au-Prince pour yo al solidariser yo avec population ça que Abinadel a maltraité, a déporté massivement le fin massacré yo. L'autre dossier que nous pral parler ensemble avec vous et avant que nous remercier Zamenu qui dans Belade Plateau Central à Jean Bessap surtout avant que nous remercier Zamenu qui dans Fond Parisien en sapit tout ça toutes l'autre amis qui dans aria frontière Haïti avec la Dominicanie yo qui te me dit nous clairement vidéo que nous t'ai parlé nous de li hier dans dernière émission Info Beto qui t'est sorti à 6h30 dans l'après-midi, hein? Dernière émission Info Beto, c'est l'heure de sortir, 6h30 p.m. Côté que m'te dit non, yon raison qui motive m pour monter vin faire émission ça jodi, hein? C'est suite avec yon vidéo que m regarde. Côté que gen 6 Dominicains qui kidnappé yon jeune garçon haïtien, yon mette l tout ou ni yon femme l'andon chamkay, yon mari l de bras deye, gen yon ki kebe ponyet li, gen yon ki kebe tête li, ki kale penil, et puis la fèl souse, eh ben, koulout li. Gen yon ki pese dol, qui kembe deux bras derrière mari red et puis gen yon ki derrière qui calé koulout li k'ap fouye nan tout a li. M vraiment désolé mais m'a décrit image là pour nous parce que m pa ka mettel sur écran. M gen t'envoyé le ba en pile nan nou ça cause m'a demandé chaque grand monde qui déjà j'ai une image là partager avec un ami qui besoin parce que numéro k'ap mande mieux tellement en pile hier soir si m'a trompé moi mal dormi n'importe 2h du matin. Pendant ce temps, je me lève à 5h pour me préparer l'émission. Ça veut dire qui ça? C'est le bagage qui est extrêmement compliqué que les Haïtiens vivent en Dominicanie. Image ça fait me sentir quand tu es jeune garçon que Dominicain a kembe a marié, a violé dans fait massici, quand tu es jeune fille haïtienne que nèg yo a violé mais qui pa jam pran la rue. Ça vient faire me sentir que encore une fois haïtien quand dominicain yo pite yo al, alors yo 10,000 fois pas en sécurité. Parce que li important pour que yo t'a fait choix ça al vivre plateau central. Parce que m'a regardé pour moi plus de 300 000 Haïtiens qui quittaient Haïti, qui rentraient en Dominicanie, ce n'est pas Haïtien qui travaille dans la construction. Ce n'est pas Haïtien qui travaille en Dominicain. Toutes ces mesdames, yo, jeunes flâneurs qui rentrent en Dominicanie, sont familles qui ont gagné à l'étranger, sont ménages qui ont gagné à l'étranger, sont maris qui ont gagné à l'étranger, qui sont États-Unis, qui la France, Canada, qui m'ont dit de traverser, qui connaissent que Kaye en Dominicanie pas tellement cher, mais qui dit que cherche un petit caille qui a 250 $ américains par mois, 300 $ américains par mois, et puis m'a payé, n'a pas fait une provision qui n'est pas tellement en pile. En attendant, on doit pourquoi faire une machine, mais pour sauver la vie, rester en Dominicanie, parce que y a un minimum de sécurité comparativement avec ça que n'a pas vivre dans Port-au-Prince dans la Tibonite. Zamim,
frèm sèm yo kap tande m kap gade m la, mwen vin comprendre en pile bagay. M vin comprendre ki facilité que Dominique genye pour que yo braque yon haïtien. Rale couteau sou li. Prend téléphone ni, prend bouse li, vole tout sak sou li. M ap rappele mwen yon ancien comédien qui te al prend kòb nan men Dimitri Vob, comme quoi que il t'a vinn faire mouvement politique, que il t'a supposé gon droit pour faire politique, oui. Mais il te prend kòb nan men Dimitri Vob pour aller sacrifier cochon devant ambassade américaine, pour aller dans zone titanien, pour aller chirer jeter yon bouquet fleur, yon bouquet fleur que président Jovenel Moïse t'a déposé dans Moselle en côté que moun 12 janvier 2010 yo te enterré. Comédien ça me croit comment elle encore me terre même longtemps oui et Mathias Dandon monsieur te le monsieur te vient poser action ça commissaire quoi de bouquet a te lancé un mandat d'arrêt des monsieur et ben équipe opposition à l'époque te fait monsieur traverser en Dominicaine Dimitri Vob t'a prend soin monsieur l'autre bord. Malheureusement pour monsieur pendant monsieur en Dominicaine monsieur pour aller chercher petit cob dans transfert qui a voyé pour lui. Parce que monsieur pour que j'aime comprendre s'il est rentré dans bataille et son job qu'il t'a fait n'a pas de belle valeur son petit monnaie pour le voyer pour le vivre et comme si m'd'a dit coup cocorat en Dominicaine et maintenant il prend petit transfert $300-$400 dans maison transfert en Dominicaine Dominicain veille monsieur yo mandé monsieur pour monsieur bail coblan le monsieur va le bail coblan Dominicain aura les couteaux il manque tuer monsieur. Yo ba monsieur plusieurs coups de couteau tout ventlé. Mathias qui en pile là nous connaît qui était comédien. Mathias ça qui couché un petit monde 16 ans dernièrement là aux États-Unis depuis les aller un petit gens paraît sombre par un petit gens pâle sur réseau hein? Ou pas tellement ouais avec petit monsieur TikTok yo pour la tapoter. Depuis le il fin coucher petit mineur a été dénoncé lui. Et bien, pile monde demande pour le faire profil bas. Mais c'est pas là, l'émission est aujourd'hui. Son exemple qu'on apprend, son crime qu'a fait, son compatriote haïtien, nous, en Dominicaine. Et c'est de bagarre qui est extrêmement grave, qu'a passé en République Dominicaine. Pendant que ma parle avec nous là, pendant que ma t'as bien oui, nous tout voyons dans le téléphone là, qui image qui monte, imagine haïtien, t'as bien oui, m'oblige à quelqu'un pour me dire, imagine haïtien que Dominicain sacrifié à coup de couteau. Ça m'a regardé devant moi, m'a regardé deux, parce que ouais tout yo paraît devant moi là. Désolé m'a dit, moi 2, 4, moi 6, moi 8, moi 10, moi 11, pour petit moi n'importe 11 tout, dans deux yon haïtien. Ça c'est tout coup de couteau. Vraiment m'prend courage m'a débra pour me dire même pas qu'à montrer nous image là si m'ta tenter passer comme ça nous pas il peut-être pral et gain problème sur YouTube là nous pas qu'à poster image qui est fragile ça yo. Aïe monsieur. Désolé bien que va prendre donc faut si retirer le devant là moi retirer le devant là I'm sorry vraiment désolé yeah vraiment désolé Aïssa mouri chaque jour en Dominicaine qui est haïtien qui a mouri gon catégorie bien spécifique pour le moment qui a mouri c'est haïtien qui travaille dans le domaine construction en Dominicaine. C'est haïtien qui travaille dans le champ. Haïtien qui travaille dans couper canne pour Dominicain. Planter manioc, patate, récolter banane, chou, pois, pommes de terre. C'est haïtien ça yo que Luis Abinadel a traqué. Et surtout pour haïtien dans la construction qui travaille, qui construit la Dominicaine pour Dominicain sous podo yo. Que a mal touché. C'est eux-mêmes qui Dominicain a touillé. Bon, gardons quantité
mon gars voit image là-bas moi bien que me touche une condition ça avec mon yo dominicani mais ça mon petit monde bon Dieu petit jeune garçon parce que visage m'a regardé là ça pas même semble un jeune garçon qui dans trentaine pas quoi m'a quoi monsieur dans l'âge moi ça sont petit jeune même s'est couché monsieur mouri moi il y a là ça semble mon gars battre même donc quand il était tout dans dol. Et est-ce que c'est tout cartouche ou bien est-ce que c'est li semble pas connait tout bal bien mais Jean Touyoye est-ce qu'elle était tout couteau pour mon point quand il était couteau en seul côté comme ça est-ce que c'est pas cartouche que yoye et pas connait peut-être que si me voyez vidéo à pour nous alors mes amis capteur de Dominicani fait me connait ben mandé qui tout que yoye ben moi un texte mon nom. Et bam texte pour moi faire bam expliquer alors voice bon cali voice là et est-ce que m'a dans voice là bam essayer le voice là peut-être n'attendre l'ensemble bam essayer le voice là non ensemble avec nous et bam mettre sur ça et oui il manque faire monsieur bam essayer le voice là ensemble avec nous alors nous pouvons rentrer dans l'émission non mais et nous comme sinon dossier Haïti Dominique Haïti Haïti qui vivent en Dominicani OK nous en entendre et qui ça voice ça dit entendre. Ça, ce matin, dans la capitale, immigration, M. Balsara, dans la semaine. C'est comme ça, la vie. Oh, ok. Katouche, vraiment. Ok, Katouche. Yeah. Semble son bal 12. Bal gozam, dam, bal 12, yeah. Parce que quantité tout yo, qui ont seul côté, semble son zam qui ont, alors, peut-être un bal 12, m'a connaît, ou bien tout c'est criblé ou criblé. Parce qu'il prend toute cartouche en seul côté ouais tout touyo dans dol et yo tué monsieur. Yeah. Yo tué elle. Avant que nous arrivions plus loin, même j'aime te faire hier. Alors tout d'abord, quitte me saluer chaque gnan nous. M'a dit non, nous vraiment désolé si que c'est image ça que m'a décrit dans l'émission avant que nous rentrer dans actualité yo. Mais comme c'est de ça tout, vraiment, nous avons toujours parlé dans l'émission, hein? Mais décrire une image comme ça, dès le départ, et monsieur qui l'a dérangé un peu là, non, peut-être qu'il y a un peu qui n'a pas bien cœur, il y a un peu là, non, monsieur qui a bien de l'eau, qui a collé dans les yeux, non, dans le moment ça. Mais m'a dit non, prends courage, nous à des bras. Et m'a salué chaque gagnant, non, qui a attendu, qui a gardé là, je dis, hein? Encore une fois, c'est un plaisir pour que, moi, ensemble avec nous, dans l'académie, ça, pour nous, et partager information, ensemble avec nous-mêmes qui dans diaspora qui gagne famille non qui peut-être nous pas attendait et ça qui arrivé immigration arrêté mais nous chercher information dans information qui a partagé ensemble avec nous ça qui arrivé aux jeunes nouvelles familles et n'a tout profité tout et bail conseil avec compatriotes haïtiens qui en Dominicani même j'aime te dire premier décision les dans main ou même haïtien ça qui en Dominicani qui en difficulté que immigration que la police que l'armée dominicaine que tigelé a couru d'elle pour ou ses premières victimes ou même surtout qui travaille dans domaine construction qui a levé au jour le jour qui va le vendre journée maçon ou ses premières victimes la vie ou pas veut dire rien dominicain kembe nous dominicain massici en pile yo croit dans massici yo croit dans bouda garçon. Eh ben yo kembe garçon, yo mari garçon, yo viole garçon. Vidéo que m'gagne hein, dans image là, au côté mon de l'eau à terre. Et bon pied monsieur a fois dit mon sang cap couler dans pied monsieur pendant que nèg yo a violé monsieur dans derrière. Ça veut dire que pour moi même son nèg que nèg yo enfragile et puis il gagne les gon sang cap couler et dans pied. Mais ça pas empêché que dominicain continuer violer monsieur. Ça veut dire que pénis monsieur raide pour que pour un garçon. OK, pour un garçon pareil, en plus de ça li mari garçon, hein, son mouvement criminel, un mouvement assassin qui a passé en Dominicani. C'est une situation qui est extrêmement grave. Et en Dominicani, que haïtien yo a vive. Alors, nous pour essayer ouais si nous t'a parlé ensemble avec yo compatriote qui trouvait les gens dans Wanamet pour nous, t'avoir connaître effectivement comment la situation est. Et dans Wanamet, bon côté,
Parce que on a mis ce côté qui recevra en pile immigrant. Et nous gagnons pasteur Moïse, alors ingénieur Claude ensemble avec nous. Est-ce que ingénieur l'entendez nous? Ingénieur Claude, comment nous y est? Où est-ce qu'on recevra nous? Allô? Malheureusement, nous n'allons pas recevoir ingénieur Claude, bon maloué. Si nous ne pouvons pas passer par un autre moyen, il va monter sous bas là. Ben nous, ouais, si nous recevoir ingénieur Claude, et pour nous t'affront y parler de... Voilà. Ingénieur Claude, est-ce que vous recevez nous? Comment nous y est? Oui, nous bien, nous pas plus mal. Bonjour, et faut bientôt. Bonjour, Pepa Isien. Voilà, m'content où il est nous et matin pour que nous capables font y parler sur et situation cap développé hein, pendant alors nous gain plus pas son semaine là depuis que président dominicain hein, prend décision bon côté parler avec gouvernement côté que yo lagué l'armée, la police, agent immigration tigelé des haïtiens et nèg yo a déporté 10 000 haïtiens par semaine et dépassé chiffre ça dans semaine ça qui s'est passé hein. Ou même ou c'est yon citoyen responsable, yon patriote conséquent, on est qui sensible pour haïtien pareil ou prouver li, c'est pas un bagage que et n'a pas n'importe qui gens, ou prouver Noël et nous respecter ça la caillou, nous félicitons pour ça. Et dis-nous non, comment Wanamet y est dans moment avec fléau immigrant ça qui a débarqué dans Wanamet, comment nous recevoir ou qui côté aller? Comment yon vini? Est-ce que c'est toute journée camion a débarqué? Et comment ça y est? Ba non ti explication sur situation ça qui a développé dans Wanamet jodi et dans moment ça. Bonjour le monde, bonjour Pepe Haïtien, bonjour Foberto. Bonjour tout auditeur auditrice Tech 609 yo. Nous saluons tout le monde net directement. Bon, c'est un cas qui est vraiment difficile, qui est vraiment humiliant. C'est vrai. Jusqu'à présent, l'État pays nous, pour qu'on fait OK, nous ne pouvons pas présent. Mais dans le moment où là, moi, qui ai intérim à vous, jusqu'à ce que vous veniez, chaque jour, moi, à rencontrer les immigrants, et nous pouvons manger pour yo, malgré qu'elle pas qu'à foyer. Hier, nous étions ensemble avec Madame Béatrice, nous avons porté bonbon, nous avons baillé chaque monde une enveloppe, nous avons porté tiji, nous avons porté de l'eau, qui ne représente rien. Et les Nabgade, nous n'avons pas de rade pour nous mettre, je dis à la map débarqué avec 6 douzaines maillots, et nous avons fait effort pour nous capables de bailler au kit. Ok, ça veut dire nous sommes capables de bailler brosse dents, pâte. N'a pas eu savon pour vous baigner, parce que c'est vraiment compliqué, mon yon pile. Mais, dans le moment où je parle avant, là, mon yon dans toute la rue, on a mis, il y a un groupe, mon yon, qui est dans l'OIM, dans tout près de douane, c'est à terre, on a dormi, yon pas eu aucun côté pour vous capable de dormir, mon yon pas eu rade. Bagaille là, vraiment difficile. Dans le moment où là, c'est seul moi, on était capable de dire nous, qui a kébé ensemble avec mon yon. Pour matin, là, on peut pas arriver, mais chaque jour, chaque heure de temps, nous gagnons camion que yo a voyé. Mais les moun yo vini, c'est pas parce que yo joignent yo accueil. Mou croit que c'est moi-même pas assez. C'est moi-même pas capable pour que nous capable recevoir moun yo. Même après les moun, tout côté, tribo pas bon. Même je voulais me reler dans gros émission ça là, pour que nous capable parler de situation. M'a toujours continué reler. Et nous demander que pour tout haïtien net qu'on y a là, pour ça ça et là, c'est nous tout net qui humilié. C'est pas seulement immigrant yo ou même capitaine de là moi même personnellement ou même Foberto n'était qu'à dire celle si nous pas haïtien pour que nous pas toucher les situations ça comme on yo blessé yo bat moun yo tout regardez moun yo même vieux ode même vieux sok yo bay tellement que bagay la compliqué gè moun ki gè rad sou yo ki gè plus que semaine et bien jodi a nous pral faire changer rad et nous pral wè ki ça nous ka faire pour nous capable accompagner eux nous a fait deux marches pour nous être si capable jouer une bis n'a gè yo trajectoire pour plateau central n'a gè yo trajectoire pour la Tibonite que chaque côté moun yo rive dans zone la caillou pour yo descendre parce que yo pa mais Dominique, quand même, gonjou l'abjou, faut que nous capables de balayer réponse, et réponse à son réponse de conscience liée. Depuis que tout haïtien, pas qu'à mettre tête yo ensemble, n'a toujours une situation difficile là. Bagay la vraiment raide, il est vraiment exagéré. Nous capables de comprendre les yo déporté moun sa yo nous pas connait qui ça yo pral vinn devenir dans pays a et yo pas gè côté pour été gen yo qui dit yo pas même connait famille yo et puis je dis encore après nous pral recevoir yo nous gè pour nous aller dans l'ONU
pour yon capable enregistrer moun sa yon pour nous, pour yon capable faire 4 pour yon, parce que yon pas gen aucun bout de papier nan men yon. Ça veut dire, son travail qui difficile mais qui pas impossible, faut qu'on capable gen volonté, faut qu'on gen cœur, faut gen détermination pour que nous capable avancer ensemble avec situation. Mais bagay yon vraiment red et faut bientôt. Et bagay lan red en pile. Et Jean Oudou tout bagay la qui est extrêmement important parce que m'ta regarder le nom vidéo tout. Gen de haïtien qui vient l'autre bord. Alors, nous capable dit yo ta supposé dominicain parce que yo pa connait même créole yo pa parler bien et yo pa connait aider Haïti, l'homme de côté sorti yo pa connait, même famille yo pa connait. Yo lève en dominicain, yo grandit en dominicain, sauf que t'étais tant de maman yo c'était haïtien et puis dominicain juste déporté yo. Moun sa yo et comment yo yena wana met? Comment qui côté yo loger même? Parce que vous parlez de en pile moun comme si moun yo. Franchement, oui, moi, tout ça, c'est dans OIM, là. Tout près, douane, là, même, yo lagué tout le monde. Yo lagué autant que c'est cabrit. Alors, que, n'importe qui vient, ou après, que, y a voltigé sous yo, yo grand goût, comme si n'importe action qu'a fait, dans n'importe qui seconde. Ça veut dire, moi, c'est dans la rue, et moi, tout ça, qui est plus difficile, c'est parce que, grand pile monde, qui pas qu'on est, qui côté, au pralé. C'est vrai, on a fait le match bis pour nous capables de mettre pour nous capables, pour les gens qui comptent famille, à rencontrer famille, à retrouver famille. Mais les gens qui parlent de famille, qui parlent de famille, qui parlent de côté au Braléo, c'est coup ça qui pide. Mais je dis à la nouvelle commission, tant que je me dis là, nous prenons aller pour nous rester si capables de faire pièce pour nous. Mais cependant, les gens qui responsable exactement côté ou an, OMN nan, bon moun sa yo a bay ti panik tout hier nous te oblige faire dire la avec yo len al pote don faut que c'est exactement c'est moun sa yo même pour yo capable joindre don faut haïtien gen conscience m'pa kwè ti bay sa yo pour gen division là dedans faut que exactement que immigrant yo capable trouver moun yo non nécessité non situation qui tellement compliquée c'est celle sou pas humain pour pas crier c'est celle sou pas humain pour comme si pour être capable de rester à vivre dans le monde. Ça veut dire que je me demande pour tout peuple haïtien, en nous mettant tête nous ensemble, même quand que nous ne sortons pas même, bon, c'est nous tous ces mêmes ancêtres, pour nous faire self-faire, pour nous capables de faire, retrouver Kayo et Foberto. Si y a un monde qui veut, capable de porter coller avec nous pour nous capable de mettre gaz dans le bis. Ou bien si on moun gagne un bis, il est capable de voler pour nous capable de faire moun yo aller là, kayo yo carré le nous, dans 35, 65, 50, 62, ou bien yo carré le dans 41, 65, 38, 87. 41, 65, 38, 87, moun nan carré le nous. Si wa fait nous jouer une bise, reprenez mes yo encore. Reprenez mes yo encore, t'as pris. Bien, ok. Premier numéro, c'est 41, 65, 38, 87. 41, 65, 38, 87. Ou bien, yo carré le nan 35, 65, 50, 70. 35, 65, 50, 70. Depuis nous relè, nous avons joué une colonne. Si vous avez gaz, si toutefois vous souhaitez un bis pour nous, il te mette pour vous seul jour, relè nous pour nous capables de faire coordination, pour nous capables d'avancer. Jusqu'à ce que l'État pays a vint prendre engagement, parce que je ne vais pas faire tout le bagage, il faut bientôt. Non, ou pas faire tout bagaille, mais ou gen volonté ou pouvez aller. Maintenant, une question qui nous t'a posé pour aller. Qui ça, parce que qui connaît grand pile autorité politique dans Wanamet, et comment ça y est bon côté autorité politique yo, parce que dès qu'on ouais longtemps madame Woodling dès qu'on présent, dès qu'on ouais ancien sénateur Wannick Pierre, dès qu'on ouais magistrat yo dans Wanamet et vice-délégué en tant qu'on présent. Pour aucune personne qui paraît. Pourquoi il n'y a aucun monde qui paraît? Bon, seul moi, en tant qu'homme public, nous sommes capables de dire qui paraît. Moi, c'est Madame Béatrice Soti, Port-au-Prince. Hier, nous commençons à faire un petit don. Je dis à là encore, moi, je parlé ensemble avec le responsable LPH. Il voyait $500 américains pour moi. Et nous t'aider déjà gagné une quantité de maillot là, c'est bagay ça on va le séparer jodi à là. Et moi gagné plusieurs mon alors qui t'en relé qui dit on va le voyer activité pour moi capable bail mal mon gros vente yo mon qui gagne ti mon yo gagne en pile pharmacien même pour y aller. Il gagne en pile pharmacien parce que gagne tout voilà gagne en pile. Et de plusieurs qui t'en mourir là, c'est dit on va le dire. Alors gagne en pile qui t'en mourir là.
gagné près de 6 filles, alors femmes haïtiennes, et qui gagne ti moun sou braio, qui nous t'a aidé pour rentrer et d'abord volontairement. Moun sa, c'est des mouns qui rentrent avec dignité. Mais pendant que vous en bas, nous pas laisser garder comment nous t'a accompagner et nous pas laisser nous t'a mettre en contact ensemble avec vous tout pour t'accompagner pour nous pas garder comment nous t'a jeune des trois amis qui pour t'a continuer à leur supporter nous pour nous t'a faire aider pour nous en bas parce que yo sorti gien qui sorti alors dans département ni bon côté commissaire Miskade en bas gien qui c'est monde kafou ça veut dire que c'est des monde qui impossible pour y aller à la caillou pour le moment ça veut dire que côté nous faire aller là yo rentrer et d'abord si rentre d'abord ça veut dire que c'est dans département dans grand nord là obligé loger ça veut dire pour loger faut au bon côté et son bail qui difficile moi je crois que après émission m'a pas fait effort pour nous rentrer en contact et en plus tout et pour numéro téléphone nous bailan m'a prendre toutes amis famille plateforme YouTube info beto yo monde qui toujours camper avec nous yo et ingénieur Claude son monde on monde de bien on monde sérieux son monde qui honnête son monde qui alors qui fait parler de lui nous joindre background monsieur et propre clean. Ça veut dire que son haïtien cap supporter haïtien pour tout bon. M'a demandé nous rentrer en contact ensemble avec elle pour nous. Petit coulier, depuis nous toutes nous met tête nous ensemble, nous contribuer monsieur que m'sap aider en pile monde. Et m'a parler de l'autre bagarre avec monsieur parce que pour barrière frontière on a mettre là et ingénieur Claude, nous pas besoin parler dans micro, mais m'a prêt l'autre à l'heure pour me parler bagarre qui extrêmement important ensemble avec vous. Oui, nous prêts. Pas de problème. Nous va prendre la cagne. Oui, avant. Kebela, ingénieur Claude. Voilà, ensemble avec nous, c'était ingénieur Claude depuis dans département nord-est PIA pour nous alors nous t'a fonti parler sous situation qu'a développé ya. Mon na wala met fait effort pour que yo et camper pour frontière bloquée mais gros problème barrière dans frontière là, pas gain barrière et pas gain barrière, OK? Depuis pas gain barrière, vinn un problème pour que et frontière là et lock nan niveau pour lock là frontière qui plus facile pour lock là c'est frontière Belader et puis c'est frontière qui gagne plus activité yo parce que c'est deux gros frontières ça yo qui gagne plus activité c'est frontière et Belader c'est frontière Dahabong c'est frontière ça yo qui c'est gros centre et que Dominique a fait gros business et avec Haïti entre-temps m'a dit donc que bagala on ti gens compliqué bagala compliqué. Et ça m'a parlé tout à l'heure. C'est sous situation haïtien qui en Dominicaine. Mais t'ai commencé tout à l'heure là avec image que m'a décrit pour nous qui c'est jeune garçon haïtien que Dominique au Kembe, yo kidnappé, yo fermé dans chambre ca, il a violé. La police dominicaine a fusillé haïtien. Dominicain a couru des haïtiens. Haïtien perd du occasion de lui tomber la caille. Yon citoyen dominicain ça qui doit aller couteau soit le couper coule ou bien le sacrifier là-dedans. OK, si immigration rentre dans yo prend yo tout dépatchal yo tout sacrifier après ça yo prend cadavre li et al jeter dominicain va dire quick il y a des zones dominicain crier pour ça mais il y a des zones tout yo pas fait rien son situation qui extrêmement compliquée mais tout d'abord avant que nous aller plus loin qui te mette photo ça sous écran. Moi t'ai fait hier, m'a préfère le jodi encore. Nous pral font temps sous lui. Hier après-midi, moi t'ai passé un audio de Gary Pierre Paul Charles qui t'ai senti révolté. Et me dit bravo avec Gary Pierre Paul Charles, moi que c'est ou même comme journaliste qui pas gain bien dominicani. Mais qui courage pour prononcer ou clairement sous situation haïtien yo en Dominicaine. Moi t'ai passé dans dernière émission hier après-midi en par contre si nous t'étendel. Mais avant que me parler avec toi ça sur écran pendant que nous même tout n'a pas quitté commentaire nous pral faut attendre intervention Gary Pierre Paul Charles parce que jodi hein c'est tête ensemble que lié c'est retiré. Alors, mettez ego nous de côté, mettez tête nous ensemble pour nous parler pour Haïti. Monsieur, c'est Jocelyn Brivert. C'était ancien directeur général DGI en Haïti. C'est ancien sénateur NIP Miragouane, dans le département côté commissaire Miskadenye. C'est ancien président de la République qui était élu
dans une élection qui était faite dans le Parlement, qui est l'élection au second degré. Côté que des sénateurs avec députés mettent tête ensemble pour être élu monsieur comme président, le Joseph Michel Matéli, pas de guetant réaliser l'élection. Là, il a écrasé l'élection sous Matéli en 2015. 2014-2015. Citoyen ça, c'est lui même qui était venu prendre pouvoir. Il était prendre pouvoir pour te faire élection dans environ 120 jours pour te remettre pouvoir. Eh bien, classe politique là, parce que il fait partie de lui, et il décide de travailler pour oligarque corrompu qui c'est ennemi pays d'Haïti, que m'bral ge pou m'parler de tout à l'heure. Citoyen ça te passé yon l'année dans tête pays d'Haïti. Dans moment ça, te gon cyclone qui te vin passer en Haïti, te songe, côté que la Dominicanie te vin voyer de support. Nous songe ça. Mais qui en pile ici qui pas jamais te au courant si monsieur c'était un gros businessman haïtien, un gros businessman haïtien en République Dominicaine. Pas de haïtien qui te comme ça. Monsieur investit des dizaines de millions de dollars américains dans l'immobilier en République Dominicaine. Ça veut dire que tout cop que monsieur a broté dans l'état pays d'Haïti, c'est en Dominicani que monsieur a investi avec madame ni. Petit monsieur, madame monsieur, sans Dominicani. N'a pas songé, si m'a trompé en 2022, petit monsieur marié en Dominicani. Et c'est une grosse autorité dans le gouvernement dominicain qui te parraine mariage petit monsieur. TH Lucard de Zantino. Et citoyen ça, la vive en République Dominicaine et c'est là qu'il y a toute fortune. Ni. Ok? Eh bien, dans la situation qui a développé, hein, chaque haïtien s'est posé une question. Qui s'est passé? Le Dominicain a décidé pour que Dominique qui a conscience, il a décidé pour parler avec Haïtien. Gary Conny, comme premier ministre, monsieur fait un tweet pour le dénoncer. Maltraitance, brutalité qu'a fait dans déportation massive que Luis Abinadel et a fait sur Haïtien. Le gars qui a fait un tweet là, yay, monsieur. Gayon Dominicain, ben faut tirer sans avis ça sur écran toujours pour monter image là et poste là. Go Dominicain qui fait poste ça. Dominicain fait poste ça que n'a regardé sur écran. Il va parler tout le monde, continuer partager vidéo à vous nous parce que poste ça faut clairer là, faut nous tendre, faut nous garder, faut nous lire. Dans poste là Dominicain traduit espagnol lien en français. Parce que le connaît haïtien parler français, nous comprendre français, n'a comprendre ça qu'il dit. Gary Conny fait poste là en français, Dominicain rassure que les mêmes lignes écrites à la pique en espagnol, il traduit en français et puis la gueule, baou! Dominique a fait nous sentir que si nous disons que nous sommes les gens qui ont histoire, nous avons côté qui nous sortit, nous sommes les peuples qui ont plus belle histoire, nous avons. Et comme vous comprenez, nous avons pris indépendance, nous, Dominique n'est pas indépendant, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de date, il n'y a pas de histoire. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de histoire qui cause organisé comme ça, qui cause eux-mêmes de décider de faire l'histoire? Faire l'histoire de quelle façon? Il fait l'histoire quand un pays qui t'a tête plate, et bien il décide de monter pays à une dimension tête chargée. Il fait l'histoire parce qu'il y a un pays qui est touriste pas de visiter. Et bien pour 2023, il va recevoir 30 millions de touristes pour année. Attendez bien, oui. Il va recevoir plus monde sous toutes plus et touristes que tout habitant qui vivent sous Zilea. Parce qu'il va oublier. Sous toutes Zilea, il y a environ 22 millions d'habitants qui vivent sous Zilea. Environ 22 millions d'habitants. Qui vivent sous toute Zilea. Nous comprenons ça. Environ 22 millions. Ça veut dire que Dominicain recevoir 30 millions de touristes qui visitent la Cayali pour l'année 2023 seulement. Nous comprenons. Pour l'année 2024, là, monsieur, que chiffre, t'as peut-être plus. Mais comme un pile haïtien a été fait visite en Dominicani, pour le moment, il n'y a pas tellement même gens parce que, avec le programme Biden, haïtien a tellement débarqué aux États-Unis, il a tellement quitté les États-Unis, alors tellement quitté la République Dominicaine pour rentrer dans le pays Mexique. Ça veut dire que haïtien au moins qui voyage, mais quelque part, et pas l'antigène gens compliqué. Bon, dis-nous que Dominicain, ils comprennent nous. Ils ne nous pas respecter tête nous. Ils ne pas autorité pas nous, ils ne pas respecter nous. Et ils ne nous tolérer
dirigeants politiques qui volé. Et ça qui cause Dominique yo, décide pour que yo humilie nous dans dimension à humilier nous. Et me comprenne ça très bien. Et me dit, genre de situation ça yo, si nous continuons à quitter yo là, toujours comme peuple, nous vivons mal. Nous pas vivre dans le monde. Et m'espère que nous comprenons la nécessité qui gagne pour que nous prenions des dispositions pour nous bailler des réponses proportionnelles par rapport avec genre de situation ça yo. Mais c'est pas sérieux. Yo pas rien pays ya. Yo prouve que yo pas rien Haïti. Moi-même, moi décidé pour que moi mette photo citoyen ça sous écran. Monsieur c'est Jocelyn Brivère. J'aime d'abdine tout à l'heure. Monsieur c'est un homme d'affaires haïtien qui a investi des dizaines de, alors qui investit déjà des dizaines de millions de dollars américains en République dominicaine. Monsieur c'est un gros homme d'affaires. OK? Ministre agriculture dominicain, c'est associé monsieur parce que monsieur investit dans le secteur agricole en Dominicanito. Imaginez-vous. Il y en a qui était sénateur dans le pays d'Haïti. Il y en a qui était président dans le pays d'Haïti. Il y en a qui fait coup de maltaille complot avec la famille Vob avec madame Brival. Yo fait la famille Vob gain un contrat dans l'état qui c'est 12 millions plus 8 millions de yach, fait 20 millions de dollars américains. Michel comptable en chef dans Sogener, comme monsieur a touché à c'était 350 000 dollars américains chaque mois. Comme pas là, 350 000 dollars américains chaque mois. Madame Breval te gagné 950 000 dollars américains, ça l'est madame Breval te. Breval lui même comme pas là, c'est ton deal qu'elle te, chiffre pas de cas public. Mais nèg yo t'a touché pour lui. Et c'est comme ça l'a demandé. Après le quitter pouvoir, qui cause ouais, Breval pas là encore. Breval pas malade pour le battre là. Mais, si Jovenel Moïse était vivant, ou t'a demandé le côté autopsie cadavre, vrai autopsie cadavre, président Brival là, président Jovenel Moïse t'a bon t'il ancien. Et comme il y a des gens qui te connaissent dossier et qui prennent cap vive, monsieur, que, yon jou kou jodi ya, y'a va ba on t'il ancien. Eh bien, avant que nous parlions de tout ça qui sous écran, qui sont multimillionnaires haïtiens, cap investi en Dominicani, qui décide de détruire Haïti, pour investir, pour construire la Dominicanie. En entendant, un journaliste haïtien, non, c'est Gary Pierre-Paul Charles, qui pral fait, yon ti parler sous vidéo ça que m'dap décrit pour nous, dès le départ, l'émission. Gary Pierre-Paul Charles, jeune vidéo, vidéo côté a violé, jeune garçon haïtien. En entendant Gary qui a parlé avec eux, mais que m'bral dit Gary, qui est extrêmement important pour nous, sans que m'bral dit, il est barré qui doule. Entendez. Davidson, bonjour à Pays. Je t'ai gagné un peu de force et courage avant que je commence l'émission et pendant que je préparé l'émission depuis hier. Je viens là très tôt. Je fais un échange avec Juan. Scoop. Et puis pendant que je fais un échange, mon photo, mon image qui paraît sur l'écran. Et puis moi, c'est un citoyen haïtien que Dominique a violé. A violé, garçon haïtien. Moi, dites-moi, cas des misères que nous avons passé en terre voisine et nous pas même capables de diriger le pays. C'est nous-mêmes haïtiens qui devons diriger le pays. Nous devons faire effort pour haïtiens capables de vivre en Haïti. Très bien. N'a pas gardé mode d'opération politique qui gagne en Haïti. Nous quoi nous fait commencer dans problème avec qualité politicien ça nous gagne qui réduit la peau de chagrin, qui mettait dans genou et qui tuait une fois de plus l'empereur. Scoop. Depuis des décennies, Haïti a été trahi
par ses propres fils et filles. Scoop. Ceux qui ont pillé les ressources de notre nation vont ensuite fuir et vivre confortablement en République dominicaine. Ces politiciens et membres du secteur privé des affaires, après avoir détruit notre pays, se sont installés de l'autre côté de la frontière, laissant derrière eux, Davidson, un pays en ruine. Ces élites qui ont profité de leur position pour s'enrichir ont armé des gangs et orchestré des actes de violence pour maintenir leur pouvoir. Ils ont signé des contrats. Des contrats bidons, détourner des fonds publics et utiliser des prête-noms pour cacher leur fortune. Et maintenant, ils vivent en toute tranquillité en République dominicaine, loin des conséquences de leur action. Nous sommes 9 au pouvoir parce que nous ne pouvons pas avoir un président, une fraction de 9. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité et l'inefficacité de notre système politique. Les élites politiques, qu'elles viennent de la province ou de Port-au-Prince, ont échoué à apporter des changements positifs pour changer le pays, ça, pour faire ça au capable, pour nous-mêmes, nous capables de vivre comme un monde, comme un citoyen. Elles ont plongé notre pays dans le chaos et la misère. Ce matin, nous faisons appel à tous les Haïtiens, où qu'ils se trouvent, dans le monde, à se mobiliser pour répondre à cette crise. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, mais de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux. Nous devons dénoncer ces actes inhumains et exiger des actions concrètes pour protéger nos citoyens. La prise de conscience de nos politiciens et de la société est fondamentale. Il est temps de cesser les querelles internes et de se concentrer sur les véritables enjeux. Chaque Haïtien doit se sentir concerné par cette situation et agir en conséquence. Les politiciens doivent mettre de côté leurs intérêts personnels et travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Nous lançons un appel urgent à tous les Haïtiens, en particulier à ceux qui ne sont pas des espions ou des employés de Luis Abinader, à se mobiliser partout dans le monde. Il est temps de donner une réponse forte et unie à ce fasciste. Nous devons organiser des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation et utiliser toute la plateforme disponible pour faire entendre notre voix. La communauté internationale doit être alertée de la gravité de cette situation. Bien que nous devions nous organiser pour accueillir dignement nos frères et sœurs rapatriés, il est tout aussi important de montrer notre solidarité et notre détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue.
Il est impératif que nous réagissions de manière collective et coordonnée pour mettre fin à ces violences. Scoop. Il est également important, et je le redis, de souligner que de nombreux Haïtiens qui ont été au pouvoir en Haïti ont pillé les caisses de l'État et investi l'argent détourné en terre voisine. En République dominicaine. Ils sont incapables aujourd'hui. Ils sont incapables de dénoncer publiquement les autorités dominicaines de peur d'être déportés et de perdre leurs biens. Pourtant, ils critiquent à U et à Dia toutes les autorités haïtiennes. Voléo. Comme s'ils avaient bien dirigé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont assassiné le caractère président Jovenel Moïse. Yo dit Jovenel Moïse c'est criminel, il c'est tel bagaille. Yo crasé pays à net jusqu'à ce que yo entre dans chambre la caille, yo assassiné. Et puis Jocelyn Brivère a bré bon du vin en Dominicani, l'a volé sous dos garçon a volé sous dos la Dominicani parce que son massi si criminel que lié. Et ben nèg ça fout détruit avenir en jeunesse. Kade ta vie cadavre politique gâté, k'ap détruit avenir jeune ti mesdames nou yo, jeune garçon nou yo, force de travail nou yo, comme si paquet jeune garçon k'ap péri en Dominicani. Un paquet de jeunes garçons plus passé 300 000 Haïtiens qui travaillent dans la construction. Plus passé 300 000 Haïtiens qui travaillent dans la construction en Dominicanie. Qui est-ce qui détruit eux? Ils te carrent dans le pays d'Haïti, force de travailler, ça n'a pas la perdu. C'est nèg politique ça qui fout détruire. C'est nèg politique ça qui finit avec l'avenir jeunesse là. Je dis, est-ce que nous sommes capables de camper pour nous garder ça dans les yeux? Faut que nous mettions sur la place publique pour que peuple a connu mais qui est politicien qui faut détruire. Surtout, ça qui vivent en Dominicani, qui investi comme en Dominicani. Nous même pas prendre tout, nous même prendre ça exactement, qui vivent en Dominicani, qui investi tout l'argent qui vole dans le pays en Dominicani. Il a fait la Dominicani belle et puis il a crasé Haïti. Mais yo, mais ta cadavre politique là. Qui ton commentaire pour lui, mes amis? Pas la velle, non, et pas moi qui m'a dit ça. Il y a problème, laissez-moi qui m'a dit de faire commentaire, oui. Je pas senti nous faire la velle tout que nous. Nous t'as supposé quitter ton commentaire pour ne pas la velle, mais là, c'est moi qui m'en dénoue. Je me sens que le commentaire va sauter dans nous. On t'a dégagé, Paul Charles, parce que, franchement, c'est grave. Parce que nous ne pouvons pas avoir un président, une fraction de neuf. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité et l'inefficacité de notre système politique. Les élites politiques, qu'elles viennent de la province ou de Port-au-Prince, ont échoué à apporter des changements positifs pour changer le pays, ça, pour faire ça au capable, pour nous-mêmes, nous capables de vivre comme un monde, comme un citoyen. Elles ont plongé notre pays dans le chaos et la misère. Ce matin, nous faisons appel à tous les Haïtiens, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser pour répondre à cette crise. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, mais de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux. Nous devons dénoncer ces actes inhumains et exiger des actions concrètes pour protéger nos citoyens. La prise de conscience de nos politiciens et de la société est fondamentale. Il est temps de cesser les querelles internes et de se concentrer sur les véritables enjeux. Chaque Haïtien doit se sentir concerné par cette situation et agir en conséquence. Les politiciens doivent mettre de côté leurs intérêts personnels et travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Nous lançons un appel urgent à tous les Haïtiens, en particulier à ceux qui ne sont pas des espions ou des employés de Luis Abinader. Effectivement. À se mobiliser partout dans le monde. Il est temps de donner une réponse forte et unie à ce fasciste.
nous devons organiser des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation et utiliser toute la plateforme disponible pour faire entendre notre voix. Très bien. La communauté internationale doit être alertée de la gravité de cette situation. Bien que nous devions nous organiser pour accueillir dignement nos frères et sœurs rapatriés, il est tout aussi important de montrer notre solidarité et notre détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Il est impératif que nous réagissions de manière collective et coordonnée pour mettre fin à ces violences. Il est également important, et je le redis, de souligner que de nombreux Haïtiens qui ont été au pouvoir en Haïti ont pillé les caisses de l'État et investi l'argent détourné en terre voisine. Ils sont incapables de dénoncer publiquement les autorités dominicaines de peur d'être déportés et de perdre leurs biens. Pourtant, ils critiquent à U et à Dia toutes les autorités haïtiennes. Comme s'ils avaient bien dirigé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Pour la plupart, ils ne sont que des espions de la République dominicaine. Et leur silence complice ne fait que qu'aggraver la situation. Il est temps pour nous, grâce à Impasse, de nous unir et de lutter contre cette situation inacceptable. Nous ne pouvons plus, nous autres, rester silencieux face à ces violations des droits humains. Ensemble, nous pouvons faire la différence et protéger les droits et la dignité de nos compatriotes. Ce matin, pour faire le point sur cette problématique, dit Claire Gary, nous recevons à Impasse Yves-Marie Chanel, journaliste entrepreneur, Jean-Harry Seyant, expert en télécommunication, quelqu'un qui a vécu pendant un certain nombre de temps en République dominicaine, qui connaît Jean Bagaille où t'es passé, Jean-Michel Lapin, ancien premier ministre, qui est contexte pour dénoncer le comportement du pouvoir dominicain et spécialement de Abinader. Et nous allons parler également avec... Alors, toujours gagné. Monsieur Florian Nicholson, monsieur son ancien diplomate, qu'on pas 4 minutes à déporter, c'est monsieur tellement battu, monsieur a pas intervenu, mais c'est quelqu'un qui a été révoqué, mais qui est toujours en République dominicaine et qui maîtrise le système. Donc, nous pourrons parler matin, mais on a dit à l'autorité pays, qui est dans CPTA, qui a condamné. Ça fait ici. Pas une personne qui a fait. Au pardon. Nom de CPTA. Pas une personne qui a fait. Vous voler. Scoop. Sous pas capable. Retirez condamner. Bail talon. Même si vous avez problème, c'est l'autre bois pour aller prendre soin. C'est wow. J'existe ce matin. Une note de condamnation du CPTA. Sinon, ils peuvent démissionner. Ils doivent partir. Nous n'avons plus besoin de ces esclaves au pouvoir. De ces hommes de sac et de pacotille. Ou gen la boue dans pied ou gen la boue dans bouche. Ou pas capable de défendre peuple haïtien. Partez! Laissez le pays. Bonjour. Merci en pile, c'était Gary Pepol Charles. M'étais content pour que moi t'ai passé intervention Gary Pepol Charles là parce que m'estimais que m'étais dû passer et monsieur dit de bagarre qui est extrêmement important. On d'accord avec moi et l'autre bagarre que m'a dit non qui est très intéressant pour que nous capable avancer dans cadre mission ça, c'est que Haïti a vive yon situation qui très très critique. Côté que petite Haïti, petite terre, décide de détruire ça.
Et c'est nèg qui a fait politique qui a détruit Haïti. Dans tous les pays du monde, il y a toujours dit la politique donne le temps. En Haïti, il y a utilisé la politique pour que il détruit la société. Parce que façon monde qui peut a fait politique a utilisé et secteur ça pour aider peuple à se valider dans place li. Mais c'est des nèg qui utilisé la violence, Jacques Garidi, hein, armé de groupe et jeunes garçons avec armes alimentées yo pour yo ka toujours qu'un bon spirale de violence dans pays a, un chaos politique, une instabilité politique, insécurité généralisée pour ces nèg ça qui ka toujours été au pouvoir. Et Aïssa victime chaque jour en Dominicaine. Commencement, d'après que Gary parlait sous même lancé que nous avons commencé l'émission. Les parlait de Haïtien ça, un citoyen haïtien, un jeune garçon haïtien, que Dominicain au Kembe au kidnappé, il ferme l'un côté, il déshabille, il mettait le tout au nid, ok, il mettait le tout au nid. Et puis, nèg yo a violé un garçon. Six garçons dominicains kembe, y a violé sans humiliation. Image là indien. Et m'a regardé, me senti en dame abrachim. Pour me dire monsieur, n'importe haïtien capable victime ça en Dominicani. N'importe haïtien. Et c'est des crimes contre l'humanité. C'est suite avec une décision politique que président dominicain prend et puis il passe l'ordre avec immigration dominicain, il change directeur général immigration, il mette yon nèg qui me dit nous qui fragile en pile. Monsieur s'est touyé, monsieur touyé haïtien dominicain. Nèg yo tué yon citoyen haïtien. Pas moi si moi vidéo, m'te ka peut-être montrer une vidéo parce que li grave en pile. Nèg yo tué un citoyen haïtien. Nèg yo fin pran monsieur sou yon motocyclette et puis yo vide monsieur à terre. Et ben moi peut-être c'est sous téléphone ça. Gen des images m'oblige montrer non. C'est pas faute moi m'oblige montrer non yo. Voilà, mais gen moi gen image là. On va le montrer non. Yon crime contre l'humanité qui fait sous yon haïtien. Ke nèg yo prend devant la caille, yon personnage haïtien. Moi le moto qui j'ai nèg tout yon haïtien facile. Et monsieur mouri sous place. Parce que non seulement nèg levé monsieur frappé monsieur à tête, monsieur frappé autant de tête monsieur fait corps à terre sous béton. Bam passer image là pour nous parce que nous même nous pral décrire ça m'a dit nous. Nous pral ouais ça m'a dit nous. OK? Nous pral ouais ça m'a dit nous. Il est très important pour que nous garder. Et nous pral garder image ça parce que il est vraiment terrible. OK? Il est vraiment terrible, nous devons garder image ça. On va le mettre pour nous sur écran. On va le mettre sur écran pour nous. OK? Va le montrer qui Jean Dominicain parler avec responsable yo et puis par la suite pour qui j'ai passer à l'action. On va le montrer nos crimes ça comment haïtien dominicain facile pour tout haïtien et puis pour moi haïtien décider rester toujours l'autre bord monsieur surtout pour haïtien en construction yo ça me connaît c'est nous mêmes qui en premier cap victime non nous quoi nous tourner nous doit tourner. OK mais image là va le montrer nos crimes ça pour Jean Dominicain font crime sur haïtien ou après monsieur pour parler ben mettre son là dans tout ça. Après commencer li, m'a pas grandi image là pour nous capable comprendre bien ça m'a dit nous. OK, m'a comme ça m'a pensé que m'a pas grandi image là plus. OK, ben moi ralenti mettre sur côté plus. OK. Ben moi font ti ouvert ça toujours peut-être n'a pas plus bagaille. Voilà. Parce que ça li assez. Voilà. Li assez. OK. Bon, c'est nous bon là. OK, maintenant, on allait dans l'image là. Nous prenons le temps de. Et nous avons gardé l'image là. Peut-être pour. Grand pile haïtien, grand pile dominicain qui sont côté qui a parlé, et dominicain qui a parlé. Nous prenons le temps de l'intervention. Et puis nous avons gardé l'action qui a fait là. Nous prenons comment nous prenons tout haïtien rapide. Nous prenons M. devant la Cali, nous prenons tuer M. sur les champs. On a gardé ça. Un crime. Nous avons gardé ça en vérité, bon Dieu, M. Timbamoun. On a gardé. Regardez ça. Et puis partagez-la avec vos amis.
partenaire ça avec téléphone il va le tuer monsieur. Mais ouais. Il va le tuer monsieur. Parce que monsieur dit Benny, voilà ouais. Il va le tuer monsieur Benny. Ou va le. La flèche a frappé à terre Benny. Benny, ouais. Benny, il va lever le frappe à terre. La bras le frappe tête la tête puis ça pour sous place Benny. Benny. Benny, 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 avant qu'on va aller la piquer là. Benny. Wow. Damn. Non, mais il est grand. Vous pouvez faire la porte, mais. Benny. Benny, où est-ce que coup de pied. Monsieur va battre encore. Monsieur va battre encore. Damn. Ma brebaga là, monsieur, me sentit tout sam. Oh my god, my god, my god, my god. Pas carré passer image non, on va nous garder reste là seulement même pas carré passer parce que action côté que monsieur frappe tête nèg la terre, on va pas passer. Benny. Ou allez monsieur Moui. Et qui t'aime dire là c'est qui tu y a. Monsieur Moui. On sait belle là, yo ouais monsieur tellement mouri mal, yo prend cadavre là, yo tout mettre sur moto parce qu'il il pas battre encore. Il pas battre encore. Tête est fin frappé sur le béton. Il prend le lever. Et puis, il prend tête là encore. Il a conseillé des coups de pied dans la tête. Et tête la frappe avec le bout de béton à terre. Mais comme un gars criminel. Benny. Kayla! Toma! Benny, où est-ce? Benny, il n'est pas battu. Tu vois la cadavre. Tu vois la cadavre. Benny, où est-ce? Tu prends le cadavre. Tu as fait le cadavre. Benny, tu mets la mitan moto. Où est-ce? Où est-ce que tu fais? Tu es extrêmement intelligent. Quand tu prends le cadavre, tu as fait le cadavre. Tu as fait la terre. C'est fini. Là, elle commence à sentir, l'ambulance dominicaine a vint prendre, après elle prend le restant, elle jette l'autre côté. Nene, il sort à regarder sur l'écran. C'est ça. Il va regarder l'image là, parce que le terre, il m'a pile, il n'est pas capable. Pas capable. Nene, juste l'aime briver. Sous des gonti cal conscience, monsieur que, vous avez regardé l'image ça, et vous avez besoin de bagaille. Sous des gonti cal conscience, monsieur que vous avez regardé l'image ça, et vous avez dit que vous avez dit. OK? Parce que l'image est terrible. L'image est terrible. Et c'est des crimes contre l'humanité. C'est méchanceté. Dominique Offel, parce que tout simplement, il y a un support président. Yo gen support. Ayo, yo entend yo sou sa. Yo entend yo sou sa. Pour crime nan fait nan niveau la fête là. Yo entend yo pour crime nan fait nan niveau la fête là. Mais maintenant, après toute pression que nous mettez, ben mettons l'autre cadavre politique sur écran toujours, ça c'est yon nan nèg encore, yon nan investisseur haïtien kap viv en Dominicani. Li te premier ministre en Haïti, OK? Li se Jean Risséan. L'a investi des dizaines de millions de dollars américains en Dominicani. L'argent que yo cassé coupé ça yo boté dans l'état. Nèg yo a vive bien en Dominicani. Ou pas prendre la cob la sœur. Ou pas prendre la cob là. On quitter le pour petite fille là, bon bref. Qui peut être pas responsable. Qui peut être pour vivre bien de l'argent ça. Mais ou même on le bon Dieu dans ciel là. A peut-être prend tête ou. Faut ou font marché en Haïti. Faut font descendre en Haïti. Pour font machine en machine pour contre. Et puis pour 500 Haïtiens, tu vas rencontrer ensemble avec ou. Pour yon du notaire séant. Notaire de la République. Ancien PM. Qui ça nous fait ou? Pour qui ça même c'est comme ça nous choisit et fonctionner? Et pour peuple là, fait exactement ça que mon canapé vert te fait. Sous ti monsieur ti makakio. 23, 24, 25, 26, 27 avril 2023.
C'est même bagarre là tout nous souhaiter que pour peuple là joigne Jocelyn River pour peuple a fait exactement ça il te fait 23 24 25 26 avril 2023 dans canapé vert. Ça a été bail pote non BK. Ça a été bail pote non BK. OK? Bon, l'autre image là, m'pa ka mete image côté a violé haïtien. Mais m'a li sous téléphone là. M'a senti m'ka passer. M'a senti m'ba même garder m'ba regarder parce que m'pa ka franchement m'pa ka wè nèg yo a violé un garçon. M'pa ka imagine un bagay comme ça. Pour garçon a violé un garçon. M'pa ka imagine un bagay comme ça. OK? Et c'est le bagay qui terrible. Ça ka passé là. Li extrêmement grave, mais par conséquent, il y a un pile haïtien jusqu'à maintenant qui décide de cacher un coin. Les Dominicains Junior l'a tué au lieu que yo prend direction pays. Moi me dis que yo prend direction pays, que yo prend direction la caillou. OK, que yo prend direction la caillou. Plus nous rete, c'est plus n'a victime que nous prend direction la caillou. Haïtien victime, Dominique a tué haïtien. Toute qualité que m'a fait, gardez un dame là. C'est une dame qui au prend immigration couille d'elle, selon l'information qui t'a saut tombé. Qui t'a saut tombé, mais qui est elle, mais il y a lié. Ils sont cadre libre à l'hôpital. Mené. Et on haïtienne, mené. On dame ni gros en pile. Mené. Ils sont cadre libre à l'hôpital avec elle. Parce que me dit haïtien yo n'importe qui, j'ai depuis une possibilité pour nous filmer, un petit cal et vidéo seulement, filmer. Pas qu'un bé, pas comme si pas qu'un bé image pour nous. Filmer. Tout petit bagaille, filmer. Filmer tout petit bagaille net qu'on est, et puis partager. Avec nos amis sur WhatsApp, et puis nous-mêmes, nous avons jeune, passé le bout. Parce que, image, je voulais dire un pile bagaille. OK? Image, je vous l'ai dit, un pile bagaille. Je me conseille des zones, moi, haïtien, vivant en Dominicani. En vérité, bon Dieu, que nous vivons en Haïti. Que nous vivons en Haïti. Que nous prenons direction Haïti, nous vivons. Au lieu que, pour nous mener vie ça, moi, nous vivons tant que bête en Dominicani. Que nous tournons la caille, et, voilà, en pile monde voyait ti vidéo ti jeune homme nan ba moi que Dominique yon assassiné matin son ti monde monsieur prend balle nan dos c'est pour balle nan dos wow. Photo ça vidéo ça marie là ça son haïtien nan bon la kan là y a des révolutions monsieur a couru et venir yo ba mission ba deux nan dos donc y avait nous même haïtien qui a pris la ria fait pour dedans. OK, ayon ba douche men non non mon là. Et vous courir na YouTube. Voilà. Mais tendez, nous tendez ça et jeune homme n'a dit. Alors ces vidéos on pas ban ouais, mais si que nous besoin, on ka toujours partager la avec nous et sur WhatsApp. En attendez, on monde ka filmer monsieur. Attendez, bon attendez moi. On ka ban ouais ça. C'est la vie. Monsieur. Ah, vérité. Politicien haïtien. Ouais, moi-même, si je pas bien document, pas d'appréciation. Ouais, na oule ni a capi, ça a peine passé là. Ça n'a 20 minutes, pas vrai? Des haïtiens qui ont des policiers sous moto, ils ont couru, mais côté où ils ont là, on a touché dans le dos. On a touché, mais c'est un petit souffle, il a prouvé. On a gagné beaucoup, oui. Bon, peut-être, si tu es arrivé à l'hôpital avec elle, il t'a sauvé. Il est beaucoup mouru, mais l'autre image qui ouvre, bah, moi, côté le couche à terre, elle est monsieur. Parce que tout cas, toujours en train de dormir, monsieur. Tout cas, toujours en train de dormir, monsieur. Et, parce que ça me t'est avoué, mon paquet tout dans le monsieur, paquet tout, même côté. Comme moi, m'bat vraiment qu'on zam. Et, mon paquet tout dans le monsieur, c'est après, m'vin à dire tête clairement, ça va qu'à coup de couteau. Mais son bal qui est dominicain au bail, et haïtien son cartouche balle dans dos cartouche 12 on balle 12 yo balle dans dos et puis plon yo gaillé et plon yo gaillé et puis et en haïtien c'est dans dos yo balle cartouche là
Alors, je suis vraiment désolé. Et pour les gens de l'image, ça aujourd'hui, hein. Monsieur, que c'est pas des gens de l'émission, ça, qui nous souhaité que, n'a fait ensemble avant aujourd'hui, hein. Mais, par conséquent, c'est situation qui permet nous ça. Nous faisons les, c'est pas faute, non. Nous faisons ensemble avant comme ça, et pour aujourd'hui, hein. Et, hier, Dominique et au fond bagay hier, que nous devons faire parler sur les taux. Qui ça va gagner? Gagner Leslie Voltaire, côté Leslie Voltaire, petit chinois, côté lié là, bon Dieu, femme d'un jeune monsieur, femme d'un métélie, Leslie Voltaire, et Leslie Voltaire, ok. Mais, Leslie Voltaire, c'est les mêmes qui représentent la famille Lavalas dans le conseil présidentiel là. Et mes citoyens, ça, et l'effet que ça te passe deux mois, presque deux mois à Dominicani, 50 jours, il va le montrer, 50 à 52 jours, à Dominicani, que tu as pris soin dans l'hôpital, qui est l'hôpital Holmes dans Santiago de los Caballeros. Et bien, monsieur, tu es toujours malade dedans, je me dis non, hein? C'était toujours en Dominicani que monsieur a pris soin, et il est bien en Dominicani tout. Ça veut dire qu'on est censé rester en Dominicani. Li gen bien la Dominicani. C'est la monsieur suiv médecin. Médecin monsieur c'est en Dominicani, c'est dominicain. Depuis 2021, c'est là que monsieur toujours à l'hôpital régulièrement parce que ça monsieur gen comme cancer là, c'est fini la fin avec un dame monsieur. Qui est-ce qui vient président conseil présidentiel pour le moment? C'est doyen ça. Imaginez. Imaginez un bagay. Qui est-ce qui vient président conseil présidentiel? Moi on a parlé là, c'est doyen ça. Faut calcul. Imagine nos bagailles. Eh ben, Aïssap mette pression pour que l'État haïtien baille une réponse proportionnelle par rapport avec ça Abinadel prend comme décision. Ou bien ça Abinadel fait haïtien. Première réponse là, tout haïtien parle de fermer frontière avec la Dominicanie dans les médias. OK? Qui pral gon impact direct sur l'économie dominicaine et que peuple dominicain pral lever dans quoi Abinadel secteur construction dominicani a bloqué moun kap travaille dans chan yo pa ka travaille pou la dominicain pral gâter pou la pourri koden a pourri kabri a pourri bœuf pral mouri et ben tout ça que dominicain gagné dans investir dans secteur agricole pral perdu depuis nous fermer frontière dans mois ou après impact la fait direct et ben kounya ça qui passé. Messieurs qui dans secteur privé dans pays d'Haïti yo investi dans secteur ça en Dominicani. Qui est-ce qui goumen pour mettre conseil présidentiel la transition sans camper ça? C'est messieurs coulève cette tête yo. Ça qui passé, c'est via un coup d'état assassinat que yo fait, yo paye yo financer qui sous Jovenel Moïse en 2021, n'a mettez Ariel fait 3 ans ou après que Ariel pas de chambre de capable prendre décision contre la Dominicani. Avec toute sa binade l'a fait. Ou après messieurs ça ou vin là, yo pas qu'à dire rien. Il n'y a pas qu'à dire rien, non? Il n'y a pas qu'à faire rien. Monsieur Paka fait une note sortie pour condamner ça. Ça qui passe? Lui prend soin de Dominicani, médecin monsieur c'est Dominicain, et bien monsieur décide lui-même, parce que lui pas qu'à faire rien qu'on a ça le fait. De manière stratégique, lui convoque tout corps diplomatique là, lui invite à une réunion, ou une ville d'accueil là, pour le faire parler avec eux sur la situation et haïtien, immigrant haïtien. Eh bien, tout ambassadeur, yo, vini, représentant la République Dominicaine en Haïti a pas vini. Ça veut dire qu'ambassade pays qui pipiti, ambassade petit pays qui n'a pas pays ou l'an pas décidé vini. Ça qui passe parce que le connaît que, laissez mettre que ou prend soin la kaili ou pas prendre décision contre lui. Et bien, dans ce sens, jodi an, c'est 11 octobre 2024. Lundi cap, ben moi, lundi ap 13, c'est ça? 11, jeudi, vendredi, demain samedi 12, dimanche 13, lundi 14. OK. Lundi 14, haïtien nan Belader a frappé. Besap a défilé. Et nous décidé accompagner yo. Wanamet, peuple a dit pap bay vag. Mais 17 octobre, pas poser une question. Qui sa quoi le guerre? Pas poser une question. Qui sait que pas le passé?
17 octobre 2024. Pas poser une question. Ce qui s'est pas passé. Yeah. 17 octobre. 17 octobre, qu'a venu là. Faites attention. Destin on la met comme peuple. Assumer responsabilité comme peuple. Engagement l'amour comme peuple. Prendre responsabilité comme peuple. Situation à vivre là comme peuple. Ou pas qu'à continuer à vivre là dans le toujours. C'est monsieur ça qui décide de quitter l'État pays en otage. Pour qu'on même on va changer dans la vie meilleure. Et bien, ça aussi des agents doubles que vous avez. Vous travaillez pour la Dominicanie. Vous avez au cas en Dominicanie. Vous avez l'hôpital pour prendre soin en Dominicanie. Défaite Haïti a détruit avec M. Sayo. Dans ce sens, 17 octobre, Jacques général en chef révolution qui se commandant Guy Philippe Diel. M'a demandé tout policier qui sous territoire national là, monsieur, pas faire peuple là en un temps pour souple. Si nous pas gagne que monde, nous mettons attaquer peuple là. Et peuple là, lui-même là prend décision, la prend ensemble avec nous. Si nous ériger tête en véritable tchoul pour nous tuer peuple ça, l'histoire prend note. Et l'a géré ça ensemble avec nous. Non tant qu'il pas trop coûte. Mais espérer que policier, la police nationale d'Haïti. Ça peuple après le faire la bon pour nous. Son pays que nous prend pour nous mettre des dirigeants qui sérieux qui honnête dans tête li. Peuple souverain capable faire. Yo kembe 3 nan ex sa ou nan volo, nan braquer yon banque. Monsieur rallier l'ensemble avec yo pour yo supporter le pour lui venir dans tête conseil là. De fait 3 volos yo en dans conseil là. Ça veut dire que nous censé gagner 9 volos là. Gary Conny pas gen courage pour que le camper en face tête ça yo pour craser conseil là. Même lui peur parce que tout nèg yo remet job. Yo pas ka prendre décision nan plus haut niveau dans l'état pour yo bailler la Dominicanie, yon réponse pour condamner fermement. Ça qui a passé. De fait. Alors bien que Gary Conny fait intervention, ministre affaires étrangères en fait intervention, me dit bravo, mais par conséquent c'est pas ça qui est important. C'est 10 peuples là moi ba nous l'ordre pour nous fermer frontière Haïti avec la Dominicanie jusqu'à nouvel ordre. Docteur Gary Conny, et ça pour monsieur dit. Pour Gary Conny monter pour le dire peuple haïtien. En attendant que le problème ne résout, moi passer nous l'ordre pour nous fermer toute frontière Haïti gen avec la Dominicanie. Et puis mandé tout agent BESAP accompagner population dans le camp bon frontière là. Docteur Gary Conny, sous ka fè coup politique ça me garantit ou bingo. Ou fait gol. On poule publiquement que m'baou. Gary Conny, sous ka fè coup politique ça, mandé peuple souverain pour que li campé dans la barrière frontière, on le fait, mais sans que pas faire violence. Et puis sécuriser frontière. Pas quitter un yé. Rentrer sous territoire, jusqu'à nouvel ordre. On garantit au docteur Gary Conny, coup politique, ça de pour faire, ou sauver la patrie. Ou sauver le pays. Docteur Gary Conny. Et pour gagner courage, pour pas nous gagner coup politique, ça, on garantit, ou à faire gol. Ou a fait gol. Ok? Je garantis ou a fait gol. De pou kabay coup politique ça. Je garantis ou. Ou a fait gol. De pou capable. Ok? Et puis ou capable camper pour dire peuple là moi supporter et me passer la police l'ordre comme chef CSPN pour que vous sécurisez frontière avec la Haïti avec la Dominicanie pour que frontière là rete fermée pas quitter un ping rentrer sous frontière là jusqu'à nouvel ordre me garantis non peuple haïtien Gary Conny t'a fait gol mais comme moi connais Gary Conny pas qu'à faire déclaration ça parce que nèg yo remet pouvoir yo décider rete au pouvoir et me m'a demandé avec tout haïtien qui vivent dans le plateau central. On nous prend décision ça pour que nous ba dernier goutte d'eau
17 octobre. 17 octobre, c'est une date historique. C'est une date historique que, dans pile dans nous, peut-être, situation pays non, façon que politique la fonctionne dans pays non, l'école yo, yo fait que nous pas focus sur ça. Jeunesse là, vin pas focus sur ça. Si moun ki nan 20 ans actuellement là, qui a peine dans 20 ans, pas bah importance avec date ça yo, c'est pas faute yo, c'est l'état pays yo qui traîne yo là. Parce que, je ne jodi an, li très important pour que, naturellement, pour nous commencer à faire timoun yo, qu'on ait date ça aussi des dates extrêmement importantes pour yo. Et, regardez les États-Unis, Amérique pas joué avec date ça yo. Il pas joué avec date ça yo, et c'est date qui gagne pile importance dans yeux yo. OK? C'est date qui gagne pile en pile importance dans yeux yo. Faut ne pas jouer avec date ça yo. Et c'est très intéressant pour que nous et protéger date ça yo parce que c'est date pas nous qui yo. OK? C'est date pas nous qui yo, nous devons rester pour que les dates arrivent, nous le protéger et date ça. M'a dit nous prenons pile précaution, organisez-nous pour que nous capables de connaître que le pays a des gens qui ont fait sacrifice, il y a des dates qui sont extrêmement importantes. Respecter date ça, c'est dire que vous respectez les gens qui ont fait sacrifice pour le pays. Et c'est très intéressant pour nous. Et écoutez, l'ambassadeur dominicain dans le pays d'Haïti a décidé lui-même de progrès pour que. Alors, il prend décision pour. Alors, c'est monsieur qui est président. Qui va aller l'autre là. Si que, et là, m'a dit, il n'y a pas de connaître comme chef. Il n'y a pas de connaître comme chef. Et c'est nous-mêmes qui avons perdu du temps avec eux toujours. La Dominique n'est pas connaître comme conseil présidentiel. Il n'y a pas de connaître ça. Il n'y a pas de connaître pour lui. Ou elle invite Nagyo. Monsieur invite Nagyo. Monsieur pas, comme si ambassadeur dominicain qui pas rien, décide pas aller. Ou imaginez ça. C'est ça, vous l'avez dit. Ou ambassadeur dominicain, ou autorité haïtienne, le Pouchita, il n'est pas venu. OK? Il n'est pas venu. Et ou a comprendre ça veut dire mon ami qui est là non micro comment nous y est non micro hello oui non micro comment nous y est on a micro si vous voulez faire pas son intervention pas connaître ça qui a passé parce que n'a pas aidé situation haïtienne en Dominicaine si vous voulez intervenir sur ça on avance parce que tout dans micro OK eh mon direct là oui on direct profitez de saluer public là OK, me salue public là, me salue ou même un chevateur pour go travail sur faire en société. Et de toute façon, ça va passer en République dominicaine. C'est pas ici qui vous prend responsabilité en main parce que yo te gon leader yo occupé micro nèg sans conscience et capturer leader là yo et yon seul bagage vous fait peuple haïtien, on veut nous lever camper. Aller dans l'institution l'État, yo, bio l'État, yo, occupé, yo, bloqué, yo, c'est ça seulement qui pour ballon de délivrance pays, a bloqué, yo. Quand tout, bio l'État, yo, et puis nous te gon leader, nous aimer, que c'est leader, nous te choisi comme leader, nous, qui pour diriger, nous. Bloqué tout bio l'État, yo, et puis relé leader, à bal position, bal place là, pour diriger pour nous. Si c'est pas ça, nous fait quand même un coup, et tout le monde est capable de sortir de la République dominicaine, yo. Camper bloqué pays, quand toute institution l'État est bloqué, yo. C'est ça, c'est là pour sauver nous. C'est ça, c'est là pour sauver. Après, ça n'a pas rien qu'à sauver nous encore. C'est nous, mais qui est responsabilité à nous, nous, y est tout le pays ici. Camper, bloqué tout bio l'État, yo. Et puis, les gens n'ont pas dirigé nous, qui pour diriger nous, balle l'État pour diriger nous. Et puis, c'est fini. Pas pour la solution, hein. À partir de aujourd'hui, nous résoudre tout problème dans le pays. Fermez tout le l'État. Fermez les frontières. À partir de aujourd'hui, mettez-nous en collaboration avec tout le pays. Fermez toutes les frontières. Et là, nous avons les leaders sérieux. Nous n'avons pas sérieux. Nous pas besoin de relation avec la République dominicaine. Nous fermez le pays. La République dominicaine n'est pas pays pour nous relation avec lui. Et puis, nous bloquons tout le pays, les gens l'aider, nous voulons. C'est ça qu'on fait pour nous trouver une solution pays. Nous ne pouvons pas diriger le pays. Et pas l'autre monde qui est difficile. C'est pas ça que nous faisons. Nous faisons quand même un coup dans le pays. Nous voulons qu'on quitte la décision. Et pour nous jouer une bonne façon pour nous faire diriger le pays.
Si c'est pas ça nous fait, nous pouvons nous faire quand même la couille. C'est leader pas nous pour nous mettre. Merci en pile famille. Nous bon leader déjà nous fait choisir d'occuper la Dieu qui a radoté nos oreilles, non? De Guy Philippe Tessé, c'est Guy Philippe Tessé. Bon Guy Philippe Tessé, c'est parce qu'il y a toutes des équipes qui ont défendu. Un bon exemple. Je ne peux pas citer, nous, ma bouche, j'ai cité dans l'émission, ça va engager l'émission, ça va engager moi-même qui parle. L'autre exemple, c'est ou par comment, il y a eu tout le dossier sur Guy Philippe, Guy Philippe, c'est bon. Ah bah, Jean-Renel, sénatiste. Jean-Renel, accusé Jean-Renel devant un juge, international qui dit que c'est un sénatiste qui bat les âmes, qui fait le gang, qui fait le journée aujourd'hui, qui fait la situation côté lié à la prison. Devant un juge, lui dit ça, oui. Je ne sais pas, jamais parler ça. Il n'y a pas de preuve. Comment on ne peut pas chercher preuve pour sénatiste, même équipe. Toutes les gars équipes, on va vous mettre les cadres de OK, il y a beaucoup de nouveaux pays, on va beaucoup de vous payer, mais le problème, pas faire avec force côté dans le pays. Ou j'en ai cité nos gens, les sénatistes, n'a fait un homme qui gaspille les âmes dans le pays, qui fait, yo, vime gagne, yo, cité nos devant juge. Il ne peut pas parler ça. Mais Guy Philippe, il dit non, c'est pour Guy Philippe. Les Parisiens, les fréquentés, bloquer les pays, bloquer le pays. Entrez dans tout le monde, vous rentrez presse, tout le monde, c'est sur la question. C'est le président, le président, nous parlons de la gaisse à yo. Et puis nous mettons Guy Philippe dans le pays. Après 6 mois, pour nous, si nous parlons de résultat dans le pays. Et puis d'accord, merci. Merci en pile, Kébéla. Voilà. C'est des compatriotes haïtiens, justement, qui toujours après les, même tout chaque heure, nous carré les voyer. Et audio, si nous parlons pas en direct, si nous parlons en direct un moment, nous avons voyé une voice. Et m'a passé voice ça pour nous. Automatiquement, pendant moi monter dans l'émission, parce que c'est espace pas non. Le fait nous connaît que c'est espace pas non. Mais j'ai une obligation pour que nous baillons tout parler. Et parole nous compter. Nous disons, nous avons une rubrique dans la plateforme non, qui se voit nous tout compter. Nous devons toujours voir voice nous a passé. D'accord? Voice nous a passé. C'est très important. Et encore une fois, bam di avec compatriote haïtien yo kapé, tendez nous là, qui se zami famille plateforme nan, les amis continuez supporter plateforme nan économiquement pour nous capables continuer garder comment nous t'ava aider quelques femmes haïtiennes qui gen petite sous brayo en Dominicanie qui t'a remet quitter la Dominicanie volontairement et pour rentrer à Haïti parce que moun yo fè man nan Haïti moun grand gou nan men yo et grand gou pété fiel yo pa ka sou de yo et moun yo pè sorti à timoun nan et personne si pour compte pou yo chercher bagay pour li pour yo pou immigration pa tout prendre pour timoun yo tan dan kay lan parce que gen pile femme qui gagne un timoun soit déporté Maria déjà timoun nan ritavel li même li pè sorti pour pas déporter le pour perdre timoun parce que les nèg yo prend ti petit moun pour maman comme maman petit arrête dans kala ou pas ou capable chambre jeune timoun ça encore c'est des crimes qu'a fait en Dominicaine et j'aime dire là nous ka continuer voyer voice pour que nous fait passer revendication en attendant citoyen ça qui est dominicain qui voit un voice qui prend de 4 minutes nous garder signe dans nos parties là-dedans. Et parce que ben la grave. Bonjour, comment est là? En forme. Et excusez-moi, m'a prêté un voice pour là. Dame dame, on fait voice ça passer. Bon, bamba, on besoin faire le passer même parce que la passer. Ou même attendez les pour faire une réflexion avec ça me va dire. Mba rien non, moi c'est un monde qui a ce domaine. J'ai fait un message passé parce que sur plateforme moi je dis que gain plus mon cap qu'attendre les questions qu'on peut comprendre qui ça me veut dire moi nous lançons une campagne de fermer frontières avec le République dominicaine m'd'a d'accord avec là parce que m'pas d'accord avec fermer frontières non mais dans moment côté n'a fermer frontières là dove que nous ka rend ça vinn rend yo catastrophe ce soir 50% nous même que j'aime dire ça pour une bagarre l'état pas supposé agir même j'ai avec peuple l'état supposé agir en forme l'état pas attendre que ça peuple dit et puis yo agir dans ça que le peuple dit ça c'est un avant doit notre te faire mais premier bagarre nous te supposé faire c'est l'état était supposé lancer une conférence de presse ou bien faire une autre sortie tout à ici dans ce domaine yo un délai pour tout à ici sortie ce domaine ça c'est un parce que quand tu me dis ça
Parce que faut nous connaître la République de peuple dominicain déjà fâché déjà. Il est déjà enragé contre haïtien déjà. Ça c'est un. Nous connaissons la République dominicaine qui a un business avec un Haïti qui est très fort. Qui est très fort. Immédiatement, douane fermée, il était déjà fâché déjà. Il a levé contre haïtien et qu'on a l'appui. Puis il n'y a pas le qu'il n'y a pas qu'à vendre en Haïti. Il n'y a pas le fâché plus. Tandis bien ça me dit là, il n'y a pas le fâché plus. Et toute l'idée de la République dominicaine, tout ce que la République dominicaine a fait là, c'est débarrasser yo gen nan tête yo. République dominicain c'est parce que yo ka goumen avec Haïti vraiment même si yo gen tout bagay yo. Mais problème nan ki sa yo gen, yo gen espoir haïtien ka vizon nomen ki ken n'importe ça qui t'a passé entre Haïti avec son nomen, y a fermé porte yo, y a tiré haïtien gen dedans. C'est force ça yo gen sur haïtien ki son nomen. Mais faut nous contrôler, gen pile haïtien ka vizon nomen. Et peuple dominicain yo déjà fâché déjà, yo fâché nan moment là que yo levé contre haïtien. Qu'on est là pour nous lever pour nous dire pour fermer frontière sans que nous pas un délai pour tout haïtien sorti aller dans pays. Imagine qu'on est les frontières fermées là, qu'on est revenu, yo pas qu'avant avec Haïti, pas qu'à rentrer l'argent et puis frontière fermée et yo te quitte enlever compte haïtien déjà. Ça va le passer qu'on est là, yo pas le nerf net ça ca rendre compte yo fait un massacre sur haïtien qui cap vu son nom. Laisse ça, c'est nous même encore qui la cause, c'est l'État qui la cause encore. C'est l'État qui la cause que vous faites massacre sur haïtien. Nous devons que nous avons essayé de réfléchir avant. Comme nous même ces informations à bail, ou bien y a une plateforme pour ça, il y a un peu mon capitaine d'île. Nous devons que ça c'est un bagage qui est supposé réfléchir avec l'avant. L'État est supposé prendre responsabilité pour te dire ah bail tout haïtien en délai, un mois ou bien 15 jours pour tout haïtien qui quitte la République dominicaine. Alors là qu'on a les 15 jours fin de passer, y a un haïtien qui pas quitté la République dominicaine. Là, si vous voulez, ça n'est problème pas. Si Dominique est tout, le Dominique fait ça, vous voulez, ça problème pas. Mais l'État haïtien n'a pas dit rien. Tant que pour l'État haïtien, t'as cherché un gens, puis y'a résolu le problème dans la fête là, y'a qu'on est à pas lever, pas fermer frontière. Qu'on est à vous, Dominique, pas le fâcher plus, et ni président, ni peuple, y'a tout peuple là avec président, ni peuple là, c'est le monde qui est enragé. Qu'on est à ça pas le passer, qu'on est à y'a pas lever. Il n'y a pas le faire un massacre sur haïtien, mais qui est-ce qui l'a cause? C'est même l'État encore qui l'a cause, nous-mêmes qui l'a cause avec fermer frontières. Je préfère que nous déprenons là au sérieux pour nous débattre un délai pour tout haïtien sorti. Qu'on est là après, nous avons fermer frontières. Mais fermer frontières comme ça là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Et... Bah nous garantir. Bah nous garantir. Depuis fermer frontières en Haïti. Et le Dominique pour le fâcher, tout le monde pour le fâcher. Tout pays après le fâcher, tout pays après pour le fâcher, il y a un massacre sur tout haïtien qui s'en domaine. Laisse ça nous pas dire. Si nous te connaissons, nous pas tenir frontière. Si nous te connaissons, il y aurait fait une conférence de presse pour relayer tout haïtien ou voir pays qui vient fonctionner. Pour prendre exemple, soit américain, soit la France. Dans quel n'importe pays, yon français taille. Yo ta wè gen un problème nan pays ça, c'est relé yo relé pep k'ap viv nan pays ça, yo di yo kite pays ya. Immédiatement yo pa kite pays ya, c'est pour même pays, même la France ou bien États-Unis voye avion pa yo al ramasser moun k'ap viv nan pays ça. Konprann? Yo voye avion ou bien yo fè moun yo antre nan pays yo avant ki s'y a fè un bagay. Mais nou pa ka agir comme ça. L'État haïtien pa ka agir comme ça. Yo pa ka agi diable via fermer frontière parce que ou gen un problème avec un pays déjà. Faut qu'on ait Haïti pas en guerre avec République dominicaine. C'est République dominicaine qui veut faire guerre avec Haïti. C'est eux même qui Yayay. Foucotax. Avancez. Ban nous garantie. Depuis fermer frontière en Haïti. République dominicaine pour le fâcher, tout le monde pour le fâcher. Tout pays après le fâcher, tout pays après le fâcher, il y a un massacre sur tout haïtien qui s'en domaine. Laisse ça nous parler. Si nous te connaissons, nous ne pas tenir frontières. Si nous te connaissons, il y aurait fait une conférence de presse pour relayer tout haïtien ou voir pays qui vient fonctionner. Pour prendre exemple, soit américain, soit la France. Dans quel n'importe pays. Voilà. Et son situation qui est extrêmement compliquée. N'a pas vivre, moi-même, je regarde l'image de ça en Dominicani, l'Italie, Bampil. Alors, nos grands amis qui par contre, si vous ne voulez pas passer dans l'émission, comment nous y est, famille? Allô, Beto, comment y est? Bonsoir, ou en direct sur la plateforme, comment nous y est? Moi, bien, frère, nos amis, nos paysans, mon pays, mon belle, c'est pareil. Comment y est, chérie? N'a pas goûté, grâce à Dieu, famille.
Il y a tant de richesse, mon âme, on soit fait jeune garçon, hein, Beto. Baga ça te fait me crier, Beto. Baga la grave. Baga ça te fait me crier, en pile, Beto, le m'gale j'en a fait. Et famille, nous, yo paysan, nous, yo passe misère dans Saint-Domingue, Beto. Moi, ça fait yo écrit comme ça, Beto. Et parce que nous te occupé, yo, ou Beto, ça fait nous passe misère comme ça, Beto. Baga la terre, baga la terre. Ça fait mal, Beto. Il fait mal, il fait mal. Quand je suis sous chaise roulante, je me sens comme je ne peux pas marcher. Si je suis capable de tourner la caille dans le pays, d'avoir aller en sapit, la caille, moi. D'avoir dit tout le monde en sapit, puis de traverser les frontières en sapit, de ne pas aller la caille, même à l'acheter. Et ça me sent que je fait. Mais comme je ne suis pas capable, je prends le mot au fond, Beto. Oui, je continue à parler avec le peuple. Parle avec paysan nou moun an sapit nou yo moun lot bon nou yo moun forêt nou yo pou pa traverser frontière moun sa yo encore yo fait nou passer trop misère. Oui, très important. Même si c'est pas moi même avoir mais c'est famille nous c'est frère nou yo ye. C'est même ça nou gagne. C'est même ça. Mais voilà. C'est ça fait nou passer trop misère. C'est triste, c'est triste. En tout cas. Mais comme il aime te tant d'autres dire comme ça. Vous devez un numéro de téléphone en bas monde pour que vous voyez image mes jeunes garçons en bas monde. Vous devez voir le bon moi c'est à l'aide la fontan. Oui, vous voyez le bon vous capable. Moi capable, m'a servi numéro là, moi voyez le bon. M'a voyez le bon connia. OK, voyez le bon moi tande bête au numéro non quand en wel il va voir. Wel, wel, pas gain problème. M'a fait le connia là, met fermé. OK, chérie. D'accord famille. Passez bonne journée. Voilà, et c'est ça. C'est une situation qui est extrêmement compliquée. N'a vivre là. Haïtien yo a victime en pile en Dominicani. Pas gen autorité qui pour prendre décision. Alors on t'attend des interventions et citoyens tout à l'heure. OK, on t'attend des interventions citoyens tout à l'heure. Alors bah on comprend ça monsieur Dian, hein? Mais c'est Haïtien qui en Dominicani pour le moment. Qui ouais que si la dans Haïti li pa vivre là, li pa capable, li pa accepter pour frontière fermée. Mais nous-même qui croit que frontière enfermée en c'est pigo, c'est ou nan pigo. Allô? Oui, nous tout on dirait quoi comment est, vous voulez parler? OK, OK, d'accord, pas de problème non, moi t'a même faire quelques interventions. Eh ben tout profiter ça, tout profiter ça le chaque grand monde capable dans dollar, capable dans dollar. Eh bien OK, d'accord. Monsieur Beto, moi salue vous qui a fait un grand travail, un bel travail à travers les réseaux sociaux, en plus qui travaille pour le peuple haïtien. Alors, le sujet que vous avez touché là concernant le peuple haïtien qui a passé et péripétie dans le pays Saint-Domingue, bon, pour ne pas dire dans la zone Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue pas un pays, raison que fait pas un pays, parce que d'ailleurs, peuple haïtien, nous connaissons l'île qui est l'île d'Haïti. Alors que, et façon que nous a passé misère là, et li bon pour que, on t'a même dit, tout média yo, t'a va lever voix yo. C'est pas yon a réglé, on bagaille à gauche, on a réglé, on bagaille à droite. Parce que problème peuple haïtien, c'est problème tout média. Tout média de lever voix yo, pour que nous capables soulever contre injustice qui a fait sous dos haïtien, en République Dominicaine. Moi, pense que Haïtien doit prendre décision. Dans la minute, ça, moi, pense que avant la révolution, il est déjà atterri et l'a soufflé très fort à travers un pays panouan. Ça, il doit soulever colère. Tout peuple haïtien pour lever camper pour que Haïti joue une libération là. Dans la minute, ça même que nous avons parlé là. Moun qui a déporté yo, pas bonne et pas paquette, nous devons mobiliser yo, renforcer yo, remonter moral yo, et puis pour que nous continuions à rejoindre Guy Philippe, qui c'est maître révolution, pour que nous avancions, pour nous porter la victoire dans la bataille que nous avons menée. Moi, c'est Dagobert Jocelyn, depuis les États-Unis. Merci. Dekota, salut, Kembe la famille. Bonne journée. Voilà. D'accord, merci. Voilà, salut encore une fois, tout Haïtien qui vive aux États-Unis d'Amérique. Kembe la balague. Bagayo terrible. Bagayo terrible. Et c'est ça. Alors, j'aime dire là, n'a pas continué à faire voir le peuple à passer. Et vous capable toujours voyez audio par vous voyez message
qui te texte là, nous capable lire pour nous faire passer dans voix nous et pour parce que situation qu'on a vivre là, c'est voix nous tout compter. Voix nous tout compter, c'est parole nous tout qui pour mettre ensemble et parce que faut que son seul grande parole, une force nous, une voix nous pour nous et pas faire passer revendication non. Parce que ça peuple a vivre là et à Dominicaine là, franchement, c'est des bagages qui est extrêmement compliqué. Nous pas capable de continuer à garder ça dans les yeux toujours. Que nous tout prenons engagement, non? Que nous tout prenons habiter, non? Pour nous garder comment travailler des peps à sortir. Aïe. Que nous tout prenons engagement pour nous permettre que peps à sortir dans une situation difficile. Effectivement, que les trouver là. Et j'aime toujours dire, combat pas facile. Mais son engagement, son responsabilité que nous prenons. Nous avons continué à prendre pour nous permettre que peps à jeune route. Situation compliquée. Nous continuer et mener un combat parce que c'est combat qui n'a pas mené nous quoi que qui va permettre que Haïti joigne route les n'a pas tourné tout à l'heure pour une autre édition sur plateforme YouTube Infobetoa m'a pas de nous partager émission yo partager le tout côté une façon pour nous capable permettre que plus haïtiens capable découvrir plateforme là mais pas oublier tout ça regarder sur écran c'est lui même dans l'équipe président d'Haïti pour le moment mais la Dominicaine pas reconnaître lui invité ambassadeur dominicain Dominique pas Dominique ambassadeur Dominique pas répondre avec convocation monsieur mais par conséquent si c'est ministre affaires étrangères pays d'Haïti qui convoquait monsieur et monsieur pas venir rapide vite il a sorti notre compte ça veut dire que monsieur pas chef mais j'espère que monde qui connaît au chef là assume responsabilité yo. Monsieur pas prendre rien comme décision contre la Dominicaine rien comme décision contre la Dominicaine. Pour ça, on passe intervention Garia encore. Parce que intervention Garia, il frappe avec le faux. On passe. Nous voulons passer Garia encore. Garia, bon, on passe Garia. Garia, Pepon Chal. On passe Garia encore. Passe Garia encore. Passe Garia. Bonjour. On a fini avant Garia, pas ça. Après Garia, nous fini. On a campé là. Bonjour, Apéine. On t'a gagné. En pile force à courage. Avant. Aïe, aïe, aïe. Que je commence l'émission. Et pendant que j'ai préparé l'émission depuis hier. Scoop! Aïe, aïe, aïe. Je viens là très tôt. Je fais un échange avec Juan. Scoop! Et puis pendant que je fais échange, mon photo, mon image qui paraît sur écran et puis moi c'est un citoyen haïtien que Dominicain a violé moi dites moi pas des misères que n'a passé en terre voisine et nous pas même capable. Et DH Jazz appelé en pile mes frères de l'international c'est nous mêmes haïtiens qui doit diriger pays nous doit faire effort pour haïtiens capables de vivre en Haïti n'a pas gardé mode d'opération politique qui gagne en Haïti. Nous quoi nous fait commencer dans problème avec qualité politicien ça nous gagne qui réduit notre peau de chagrin qui mettait nos genoux et qui tuait une fois de plus l'empereur. Scoop. Depuis des décennies Haïti a été trahi par ses propres fils et filles. Scoop. Ceux qui ont pillé les ressources de notre nation pour ensuite fuir et vivre confortablement en République dominicaine. Ces politiciens et membres du secteur privé des affaires, après avoir détruit notre pays, se sont installés de l'autre côté de la frontière laissant derrière eux, Davidson, un pays en ruine.
ces élites qui ont profité de leur position pour s'enrichir, ont armé des gangs et orchestré des actes de violence pour maintenir leur pouvoir. Ils ont signé des contrats. Des contrats bidons. Détourner des fonds publics et utiliser des prête-noms pour cacher leur fortune. Et maintenant, ils vivent en toute tranquillité en République dominicaine, loin des conséquences de leur action. Nous sommes neuf au pouvoir. Parce que nous ne pouvons pas avoir un président. Une fraction de neuf. Cette situation illustre parfaitement l'absurdité et l'inefficacité de notre système politique. Les élites politiques, qu'elles viennent de la province ou de Port-au-Prince, ont échoué à apporter des changements positifs pour changer le pays, ça, pour faire ça au capable, pour nous-mêmes, nous capables de vivre comme un monde, comme un citoyen. Elles ont plongé notre pays dans le chaos et la misère. Ce matin, nous faisons appel à tous les Haïtiens, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser pour répondre à cette crise. Ce n'est pas seulement une question de politique migratoire, mais de dignité humaine et de respect des droits fondamentaux. Nous devons dénoncer ces actes inhumains et exiger des actions concrètes pour protéger nos citoyens. La prise de conscience de nos politiciens et de la société est fondamentale. Il est temps de cesser les querelles internes et de se concentrer sur les véritables enjeux. Chaque Haïtien doit se sentir concerné par cette situation et agir en conséquence. Les politiciens doivent mettre de côté leur intérêt personnel et travailler ensemble pour trouver des solutions durables. Nous lançons un appel urgent à tous les Haïtiens, en particulier à ceux qui ne sont pas des espions ou des employés de Louis Abinader, à se mobiliser partout dans le monde. Il est temps de donner une réponse forte et unie à ce fasciste. Nous devons organiser des manifestations pacifiques, des campagnes de sensibilisation et utiliser toute la plateforme disponible pour faire entendre notre voix. La communauté internationale doit être alertée de la gravité de cette situation. Bien que nous devions nous organiser pour accueillir dignement nos frères et sœurs rapatriés, il est tout aussi important de montrer notre solidarité et notre détermination à ne pas laisser cette injustice passer inaperçue. Il est impératif que nous réagissions de manière collective et coordonnée pour mettre fin à ces violences. Il est également important, et je le redis, de souligner que de nombreux Haïtiens qui ont été au pouvoir en Haïti ont pillé les caisses de l'État et investi l'argent détourné en terre voisine. Ils sont incapables aujourd'hui de dénoncer publiquement les autorités dominicaines de peur d'être déportés et de perdre leurs biens. Pourtant,
Il critique à UEADIA toutes les autorités haïtiennes, comme s'ils avaient bien dirigé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Pour la plupart, ils ne sont que des espions de la République dominicaine. Et leur silence complice ne fait que qu'aggraver la situation. Il est temps pour nous, grâce à Impasse, de nous unir et de lutter contre cette situation inacceptable. Nous ne pouvons plus, nous autres, rester silencieux face à ces violations des droits humains. Et peut-être au même ensemble, gars. Nous pouvons faire la différence et protéger les droits et la dignité de nos compatriotes. Ce matin, pour faire le point sur cette problématique,